Audi Sport. Depuis les années 80, Audi n'a jamais cessé de se réinventer. Et pour preuve, l'Audi S3 de première génération. Une petite compacte sportive avec un moteur rageur. De quoi faire face au GTI des années 80. Suivi par l'Audi S4, disponible en version break, qui allie polyvalence et puissance. Mais cette fois-ci, Audi va encore monter la barre d'un cran. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des casseurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cette belle Audi S5. Après la S3, après la S4, place à la S5. Mais d'abord, on va se remettre dans le contexte. En 2007, Audi fait son grand retour sur le marché des coupés avec l'Audi A5. Après 11 ans d'absence, face à BMW avec la E92 et Mercedes-Benz avec la CLK. Cette année-là, l'Audi A5 et sa version sportive, la S5, sont sortis au même moment. La voiture est dessinée par Walter da Silva, qui a commencé sa carrière chez Alfa Romeo, à qui on doit plusieurs modèles du groupe Volkswagen, ainsi que deux concept cars de chez Lamborghini, dont la Miura Concept et l'Egoista. A l'origine, l'Audi A5 était déjà bien motorisé, à mon sens. On trouvait un moteur en 1,8 et en 2 litres. Bon, par contre, c'est des moteurs personnellement que j'éviterais, parce que pour le gabarit de la voiture et le poids, je trouve que c'est un peu léger en termes de performance. Mais on trouvait aussi des moteurs en V, dont un 3 litres et un 3,2 litres. Elle a existé aussi en diesel, donc en diesel on trouvait un 2 litres TDI qu'on retrouve un peu sous plein de capots de chez Audi, mais également en 2 litres 7 et en 3 litres TDI, qui pour le coup, le 3 litres TDI est un moteur super fiable en diesel, que je recommande, avec une petite boîte auto, vous êtes royal. Donc dans l'ensemble, des moteurs plutôt nobles, avec des puissances assez intéressantes. Pour la S5, on monte la barre d'un cran. Alors, comme pour les autres, elle sera sortie en phase 1 et en phase 2. La phase 1 sera équipée d'un V8 atmosphérique de 4 litres de cylindrée pour 354 chevaux. La phase 2, ce sera un moteur V6 3 litres turbo qui fait 333 chevaux. Et en 2010, sortira une version encore plus radicale avec la RS5 qui pour le coup sortait 450 chevaux. Et là, j'ai pas envie de vous faire attendre, il faut que je vous montre le moteur. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de vous présenter la noblesse incarnée, un V8. Alors, ce V8 fait 354 chevaux, qui est un moteur emprunté de l'EDR8, qui est sorti la même année, qui était la seigneur des anneaux quand elle est sortie. Alors, la seule différence, c'est que celui-ci a été dégonflé. Sur l'EDR8, il faisait 420 chevaux. Là, il en fait 354. Bon, à savoir que avant de se retrouver là, ce V8 se retrouvait sous l'EDR8, qui était juste avant sur la RS4 et qui à la base est basé des Audi TT qui couraient en DTM. Donc il n'est pas tout jeune ce moteur, mais qu'est-ce qui marche bien. Par contre, pour ce qui est de la transmission, sur les V8, il est disponible uniquement en boîte manuelle. Et j'ai envie de vous dire que personnellement, c'est mieux comme ça, parce que mettre un moteur atmo et foutre une boîte auto, comme dirait un grand philosophe, c'est de la merde. À mon sens. Une fois n'est pas coutume, sur les Audi S, on retrouve une fois de plus un système quattro, donc 4 roues motrices. Sauf que là, on a une répartition 40 à l'avant et 60% à l'arrière, qui donne un comportement assez joueur, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et le petit détail qui est assez sympa, vu la situation actuelle, ça se reprogramme très bien à l'éthanol. Et puis, vu ce que ça consomme, c'est pas plus mal. Dire de plus sur ce moteur, en soi, il paraît très impressionnant quand on le voit comme ça. Mais en vrai, ça se travaille plutôt bien. C'est vrai qu'il y a plein de plastique autour qui, bon, s'enlève très facilement. La pipe d'admission d'air, elle est balèze. Et tu pourrais faire cuire un œuf dessus tellement elle est chaude. Non, revenons, trêve de bavardage. Pour avoir l'occasion de travailler dessus, en fait, ça se travaille plutôt bien. Il y a de la place au niveau des bobines pour changer les bougies. Donc, bon, il y a certaines opérations, si tu veux travailler, t'as pas le choix, t'es obligé de faire tomber tout le masque avant. Mais en soi, il est imposant, mais pas si impressionnant que ça à travailler. Et pour ce qui est de l'entretien, bah, ça coûte un petit bras, mais d'un côté, bah, c'est un V8, donc bah, faut assumer. Hein. Comme à la station service, ça se paye.
Bon, et si on faisait le tour de la voiture maintenant? Pour ce qui est de la carrosserie, déjà de base, l'Audi A5, elle avait vraiment une gueule à tomber par terre. Là, c'est toujours le cas. Elle est toujours magnifique. La différence, c'est que je crois que les Audi A5 n'avaient pas cette lame-là. Et surtout qu'on retrouve le sigle S5 avec un petit peu de chrome. Là où ça va jouer aussi, c'est les jantes. Les jantes, pour le coup, on est sur des jantes en 19 pouces à 10 bâtons. Oui, j'ai compté jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 10. C'est bon. Qui, en 19 pouces, qui vraiment ont de la gueule. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, si on met des énormes jantes, c'est qu'il y a bien une raison, c'est pour mettre des énormes freins qui sont vraiment balèzes. Ensuite, on va ces codes chromés. Arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais il me semble que seulement les Audi en phase 1, les S, qui ont les codes chromés, les phase 2, j'ai toujours un petit doute, elles les ont ou pas. Mais une fois n'est pas coutume, on retrouve des codes chromés. Un autre truc, on retrouve cette ligne de bas de caisse juste là. Et il me semble que normalement les Audi A5 basiques ne les ont pas. Mais là où tu te rends compte que tu es bien sur une S, c'est à l'arrière. Parce que le cul de la S5, déjà comme vous pouvez le voir, c'est pas deux sorties d'échappement, mais quatre sorties d'échappement. On retrouve aussi ce diffuseur et cette lame qui est vraiment belle. Mais on parle d'échappement. Alors, de base, l'Audi S5 avait un joli bruit. Il s'avère que l'ancien propriétaire s'est permis une dinguerie, on va dire. Bougez pas et ouvrez bien vos esgourdes. Je crois que le mot discrétion, on peut le rayer de la liste, hein. Je crois qu'il est mort là. Bon, on va faire un tour ensemble? Venez, je vous montre l'habitacle. Bon, pour ce qui est de l'habitacle, bah déjà, on en parle de la taille de la porte qui est. Ouais, un peu balèze. Mais entre autres, déjà, on a un cuir rouge qui est magnifique. Les sièges sont électriques, chauffants, donc autant dire que l'hiver. C'est agréable, sans oublier le petit badge S5 directement dans les fauteuils et y compris à l'arrière. À l'arrière, on n'est pas déçu. Bon, par contre, pour ce qui est de l'arrière, si moi je suis grand, derrière tu peux faire monter que des gosses, hein, parce que ou alors des gens qui sont cul de jatte, hein, qui ont pas de jambes. Parce que sinon, ça va être compliqué. Mais bref, ça on s'en fout, ça c'est notre tour de patron. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tout, c'est à l'avant, la vraie voiture de patron avec le petit badge S5, les coutures rouges. Une fois n'est pas coutume, on retrouve toujours un compteur à fond gris qui est badgé, bien évidemment, tout ce qui va bien. Le compteur monte à 300, mais ces voitures sont bridées à 250, comme toutes les S. Par contre, là où c'est agréable, c'est que la S5 de base était vraiment bien conçue. C'est une vraie routière. Donc du coup, tu as vraiment toutes les dispositions et j'ai failli vous le dire, mais putain, on est bien dedans. On est vraiment bien. Et c'est le genre de voiture où techniquement, ça me dérangerait pas de manger 1000 bornes avec. Parce qu'en soi, tu sors tes 1000 bornes, t'es pas rincé, t'as pas mal au dos, t'as pas mal au cul. Et puis surtout, c'est l'hiver, t'as le boulot chaud. Et ça, c'est agréable. Puis surtout, on n'oublie pas le petit seuil de porte avec badge 5 là. Hein? Au moins, t'es au courant quand tu rentres dedans. Mais hormis ça, je sais pas si vous êtes forcément rendu compte, mais la voiture, elle est super basse. Elle m'arrive là, au bord du téton, là, juste là. Et pourtant, j'ai pas l'impression d'être assis par terre, pour le coup. Malgré son gabarit, on pourrait croire qu'elle pèse 2 tonnes, mais même pas. Elle pèse 1 tonne 6. Pour rappel, ma Golf 5 R32 que je vous ai déjà présentée sur la chaîne, elle fait 1 tonne 5. Donc, pour le gabarit, c'est plutôt léger, moi je trouve. Bon, moi je vous laisse. Le travail m'appelle. Pas trop pressé tout compte fait.
pas aller très loin, ou du moins jusqu'au prochain commissariat. Bon, que dire de plus? Alors, à ma grande surprise, waouh, la boîte. Alors, soit je suis trop loin et j'arrive pas à appuyer sur l'embrayage, soit la boîte est affreusement raide. Mais ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est que l'embrayage commençait déjà à fatiguer. Et qu'avec mon gros départ de connard, je viens tout simplement de tuer l'embrayage. Ce qui explique que du coup, l'embrayage sera super dur tout le long de la vidéo, ce qui est en fait simplement pas normal. Pour ceux que ça intéresse, juste après la vidéo, quasiment une semaine après, c'est le garage d'abat qui a été missionné pour changer l'embrayage, et pour le coup, ils ont assuré comme des chefs. Merci à eux. Allez, retour à la vidéo. Allez, c'est parti! Alors autant la S3, je trouvais que c'était vachement compact et sportif, c'était drôle. Autant celle-là, tu sens qu'elle en a à revendre. Mon Dieu, je vous dis pas à quelle vitesse je roule. Je vous dis pas à quelle vitesse je roule parce que là, je me suis fait surprendre. Honnêtement, j'en perds les mots. Je sais pas quoi vous dire parce que bon. On a le confort d'une A5, ça c'est un fait avéré. Il n'y a pas à chier. La 5 elle était super confortable et là je le retrouve. Mais le V8, je m'attendais absolument pas à ça. Et franchement, je confirme, je m'en fous d'avoir une voiture turbo, je veux des atmos. Et ça, je veux ça surtout. Je ne me rendais pas compte à quel point ça marchait bien. Et maintenant qu'on est en route plutôt pépère, soft, bah, je vais pas vous mentir. À bas régime, entre 2 et 3000 tours. Alors, entre 3000 tours, l'échappement, il est insupportable. À 2002, honnêtement, t'es bien. C'est pas trop bruyant, c'est juste ce qu'il faut. C'est vrai qu'une fois de plus, il n'y a pas à chier au niveau du confort. On est sur quelque chose de super agréable. Bah, moi, personnellement, alors, autant il y a des sièges baquets où tu t'es enterré dedans, t'es bloqué. Autant là, en fait, j'ai la même sensation que d'enterrer dans un canapé. Sauf que j'ai des petits baquets qui reviennent autour. C'est un canapé roulant, le bordel. Après, il y a plus confortable. Mais pour une version sportive, moi, je trouve ça à l'aise. Bah, par contre, je pense que au niveau de la consommation, me taper 2 heures de route, je vais pas assumer. Parce que en consommation, quand on est sur du mix ou de la route comme ça, sympa de montagne, tu tournes dans les 12 litres. Ville, je pense que c'est bien plus, et en sportif t'es plus dans les 17-20 litres, donc quand tu tapes, t'assumes ta pédale de droite, tu l'assumes. La boîte est d'une dureté, je sais pas si c'est moi qui sais pas embrayer, mais non, t'as dit que c'est dur. Et c'est que par contre un truc qui est cool, c'est que tu peux reprendre un n'importe quel rapport, ça va pas saccader, ça va pas te faire un vieux. Non, ça va reprendre quoi qu'il arrive. Après, c'est dans les trucs où je peux reprocher, c'est pas de la faute d'Audi, c'est l'automobile en général. C'est en fait, c'est le système d'exploitation, le système de navigation. Bah en fait, ça vieillit super mal en fait. Et ça paraît con aujourd'hui, mais quand on a des voitures avec Apple CarPlay, un Google Auto, et qu'en fait tu retrouves sur un truc qui est vachement fermé, ou des fois t'as le Bluetooth, mais c'est Bluetooth, c'est juste pour téléphoner, c'est pas pour ta musique. Donc c'est un petit peu dommage. Mais ça, malheureusement, c'est les années 2007. Déjà pour l'époque, faut le dire, c'était ouf. Aujourd'hui, c'est sacrément dépassé. Mais après, sinon, c'est un détail. Après, sinon, on retrouve un ESP désactivable. Donc au moins, si t'as envie de t'amuser, de faire le con, rien ne t'y empêche. Mais après tout, avec une voiture comme ça, pourquoi faire le con? Elle est juste agréable, la bagnole. T'as juste envie de te balader, t'as envie de parader. Parce que, après tout, une petite boîte manuelle, quand t'arrives. Imaginons, par exemple, j'arrive sur les marches de Cannes. Qu'est-ce que j'ai à foutre sur les marches de Cannes d'ailleurs? Et que t'arrives avec ta grosse voiture et tu fais un. Je viens de passer pour un gros connard, mais je l'assume. Et bah voilà. Et bah à Cannes, tu peux faire ça. Même si, qu'est-ce que j'irai foutre à Cannes. Mais par contre, s'il y a vraiment un truc qui m'impressionne, en plus du moteur, c'est la direction. Parce que autant quand j'étais à l'arrêt tout à l'heure, à mon avis, je pense que la pompe d'air était pas. Ça devait pas être encore bien chaud, on va dire, le bazar. Mais là, c'est assez fluide. Par contre,
attention, c'est pas comme la S3. La S3, je me sentais de la conduire du bout des doigts. Celle-là, je prendrais pas le risque parce qu'elle est quand même un petit peu plus lourde dans la direction en quelque sorte. Mais par contre, c'est un rasoir. C'est le truc qui me surprend vraiment le plus, c'est la fermeté de la boîte. C'est que quand tu appuies dedans, que tu es vraiment t'es dans le truc, hein, tu as une montée d'adrénaline qui est incroyable, et qu'en fait là c'est clairement. Et en fait, bah, elle te demande que ça. En fait, c'est vrai que c'est assez marrant, c'est que, et c'est une fois de plus, la polyvalence qu'on trouve dans les games S de chez Audi, c'est cette polyvalence qui est incroyable, c'est que tu as envie de taper dedans comme un gros con. Elle dit, vas-y, tape dedans. T'as envie de rouler pépère et manger des bornes? Bah, ma foi, pas de soucis. Roule, fais-toi plaisir. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est que elle est, ça tape de partout. En montagne, tu peux y aller. En ville, pourquoi pas. T'as envie de faire le barbeau et mettre des grands coups de gaz? Bah, qu'est-ce qui t'en empêche? Et c'est vrai que c'est en ça que j'aime beaucoup la game S de chez Audi, c'est ça. Alors, j'ai jamais eu l'occasion de tester de RS, la gamme Racing Sport de chez Audi. Mais la gamme S, c'est une polyvalence qui est quand même assez exceptionnelle, je trouve. Bon, qu'est-ce que ça vaut une Audi S5? Alors, de base, on l'a trouvée à partir de 61 000 euros. Ce qui va varier, ça va être une question d'option, tout simplement. Aujourd'hui, sur le marché d'occasion, on en retrouve entre 18 et 23 000 euros. Ce qui va varier au niveau du prix, ça va être une question de kilométrage et d'entretien. Mais si aujourd'hui tu as 23 000 euros dans ta poche, t'achètes ça tout de suite. Je t'explique pourquoi. Déjà, premier point, le confort. T'as les sièges chauffants, t'es bien dedans, c'est confortable. Tu peux manger 1000 bornes avec sans avoir mal au fion. Deux, la gueule. La carrosserie, elle est de 2007. Parmi toutes les voitures de chez Audi de 2007, de ces années-là, c'est la seule, à mon sens, qui a le mieux vieilli, qui a une gueule qui est indémodable. Donc déjà, juste la gueule, pour moi, j'achète. Et trois, surtout, je dis bien trois, le moteur. On retrouve un V8 atmosphérique. Ce moteur, on le verra nulle part. Qui, en prime d'être le moteur de l'Audi R8, première génération, certes, c'est un atmo, et bien sûr, il y a des trucs qui marchent beaucoup plus que ça, surtout pour le prix, mais quand tu achètes un moteur Atmo, c'est pas tant la puissance que tu cherches. Ce que tu cherches, c'est des sensations. Et celle-là, eh ben, en plus, pour le coup, d'arracher le pavé, parce que bon, ça fait quand même 350 bourrins, hein, le bousin. Hein. Ça traîne pas trop le cul aux dernières nouvelles. Hein. Un, ça marche bien. Et deux, le bruit et la sensation. Et pour moi, mais ça n'a pas de prix. Bon, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, je force pas souvent, mais de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Hein. Surtout qu'au point où t'en es, hein, t'as regardé toute la vidéo, t'es plus à ça après. Ah, t'as un petit pouce bleu, un petit commentaire. Hein. Et en plus, c'est gratuit, on me dit à dans l'oreille. Hein. Ah, ouais, c'est gratuit. Hein. Et en temps mal, je dis merci derrière. Donc, je vous invite à vous abonner, le petit commentaire, le petit pouce, ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas, peu importe ta vitesse, le plus important, c'est le plaisir dans le volant. C'était Dil Décasseur. Ciao. Et 3, et surtout 3, le moteur. Oh putain, après le vent, il y a le train qui arrive maintenant. Oh mais c'est un sketch, sérieux. Et 3, surtout 3, le moteur. On retrouvera nulle part ailleurs un moteur V8 Atmo qui donne... Alors, 11e prise, juste du 3. Et 3, surtout, je dis bien 3.